Hello everyone, hello and welcome back with us. This is WTMJ, World Teaching Ministry of Jesus, Get Understanding Program. I am Pastor Eddie and with me is... Pastor Pierre Iliassin. Nous dit tout le monde, merci en pile, est-ce que vous branchez dans la plus belle émission qu'on gagne chaque semaine. Émission qu'on aime plus, parce que tout le monde bagaille. Émission qui me tout excited because wow. Tendez la parole, you will remettre la parole et you will grandir dans la parole. C'est WTMJ en nous gagnant understanding. Yes, your favorite program. So we are a bilingual Bible teaching and we do so in full context according to its historical setting as we rightly divide the word of truth. Absolutely, nous c'est un Bible teaching, c'est un biblique, un enseignement biblique que nous y est. Nous enseignons la Bible dans le contexte, according to historical setting, quand vous parlez de Timothée pour étudier la Bible accurately. C'est comme ça que nous faisons l'émission ça chaque lundi, nous on. And you can reach us after the video. If you'd like to give us a call, you're welcome to do so. And the number is 888-434-WTMJ. That's 888-434-9865. Also, we want you to write. We want you to send us questions. We want you to send us suggestions and also to support the ministry financially. And you can send all of the above to P.O. Box 642, Holbrook, New York, 11741. Comme le pasteur dit, vous pouvez contacter nous n'importe l'heure où vous voulez après la vidéo ou bien n'importe qui l'heure dans la semaine dans le numéro ça. 1-888-434-1-888-434-WTMG. Ça veut dire 1-888-434-9865. Et vous pouvez écrire nous tout dans P.O. Box 642 Holbrook, New York, 11741. Nous toujours aimé commencer votre podcast là par la prière et m'a demandé Pasteur Eddy pour les prier pour nous. Heavenly Father, we thank you. This is the day that you've made, and we will be glad in it. We will rejoice in it because you are with us. Holy Spirit, we are asking you to open up our minds, to give us full understanding of your word that will transform our lives on an everyday basis. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Encore une fois, nous disons merci qui branché dans la plus belle émission qu'on gagne pendant la semaine. C'est WTMJ en nous gagne compréhension. Yes. Ok. Sujet non pour jeudi, c'est forgiveness. Le pardon. C'est sujet non pour jeudi, Pasteur Eddy. Our subject for this week is forgiveness, and last week we covered repentance. Yes. So it's perfect that we segue into the topic of absolutely, forgiveness. Absolutely, absolutely. Pastor Eddy, nous toujours aimons commencer un podcast là, les nous présenter sujet à, nous voulons toujours présenter objectif que nous gagnons pour un sujet à. So, mets-toi objectif que nous gagnons pour un sujet aujourd'hui à. Premièrement, quelle connexion qui gagne between repentance et forgiveness? All right. We are going to start as usual with our objectives. And today we have three. One is what the connection, we're going to look at the connection between repentance and forgiveness. Et deuxième objectif, non, c'est qui ça forgiveness paye? Secondly, what is forgiveness? What is it not? What is forgiveness not? Ok. Et puis troisième objectif, non, c'est comment ou capable joindre forgiveness? Comment capable recevoir forgiveness? And thirdly, what is forgiveness and how do you receive it? Mm-hmm. So non seulement qui sa forgiveness lié, parce que deuxième objectif, on a dit ça le paye. So troisième là, nous allons dire qui sa lié et comment ou capable recevoir forgiveness. Nous allons commencer broadcast ça avec Psaume 103, versets 8 à 12. We are going to start by reading Psalm 103,
verses 8 through 12. Verset 8 là dit, Seigneur, il y a compassion, il y a grâce, il est slow dans la colère et il est plein l'amour. Verse 8 says, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Verset 9 là, il dit comme ça, il n'est pas là pour toujours accuser, non. Il n'est pas qu'un de colère tout le temps. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. Verset 10 là dit, il n'est pas traité, non. J'en péché non deserve pour ta traiter non. Jean, li pa ri pride tout nous-mêmes, li pa ri paix, li pa condamné non, li pa mettre bagaille sous nous, même Jean iniquité non, ta mérité. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Et puis verset 11 a dit même Jean ciel yo, pas ciel là non ciel yo, li plus haut que la terre, c'est comme ça l'amour, les grands avec monde qui gagne respect pour lui. What a verse. Yes. For as high as the heavens are above the earth, so great Amen. Is his love for those who fear him. Amen. Pas oublier l'homme beau fear ça, c'est révérence, respect. Et puis verset 12 là dit, même Jean, Is l'île séparée de l'ouest, c'est comme ça, les rumours, les disparaissent, péché nous, transgression nous, de nous-mêmes. Another powerful verse, Amen. Right? So this is verse 12, and it says, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. So this is the word of God in the Old Testament, Pastor Eddie. Yes. Psaume 103. Yes. In the Old Testament, nous ne connaît la valeur du pardon de Dieu. Yes. So imagine that, right? So this is the Old Testament with these beautiful, powerful yes. words. Yes. So that the people of the Old Testament, that's before the cross. That's before Jesus came Amen. And redeemed us. Mm-hmm. Okay? And they knew Amen. The value Amen. Of forgiveness from God. Amen. Et c'est une des bagages que j'ai dit, Pasteur, il dit, you need to know God. Yes. You need to know God. Nous besoin qu'on ait bon Dieu, le vrai Dieu. Exactement. Merci, Ophir. So, frère, monsieur, mieux qu'attendez-moi. Bon Dieu, vous plan pour la vie. Et plan ça que le gagnant, lui étonne jusqu'à l'éternité. God has a plan for your life. His plan for you extend beyond this world Amen. Into eternity. Nan grâce li, nan Jésus-Christ, li sauve non. Je dis à soi écouter non, je dis à son nan moment ça, regarder émission ça, c'est pas un accident. In his grace in Christ Jesus, he saved you. Today, you are not here by accident. If you happen to be listening, watching this video, whether it's today, in a month, in a year, it is not by accident. On a exactement un bon endroit et un bon moment à connaître la même. You are at the right place and at the right time. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. And all of it is for the glory of God. So, on parle de le pardon, forgiveness, as sujet noyé pour aujourd'hui. Yes, let's do that. We're going to go right into our topic and talk about forgiveness. Pour nous parler de forgiveness, parce que dit, nous toujours aimer commencer avec ça, sujet à pailler. Parce que, ou soit je vais parler de understanding, son clair lié, le release. Lie out of you, yes. And then he lack truth in yes. you. C'est ça, understanding, your compréhension. Yes. That's right. So we do like to start by talking about whatever the topic is. In this case, it's forgiveness. What forgiveness is not. Yes. And as you know, as we said early on, several videos ago, yes. what understanding is. Understanding Absolutely. Is a key. Yes. And what that does is it has two purposes. It unlocks. It releases lies out of us, yes. and then it locks Absolutely. The truth
in us. Absolutely. So pasteur dit forgiveness c'est pas seulement un monde qui regrette que le fou bagay qui wrong. Forgiveness aller beyond that. Forgiveness c'est pas essayer pour ta juste plein et pour penser que émotion bon Dieu a besoin forgiveness parce que ou a relé ou a plein devant bon Dieu. So forgiveness is not an emotional thing. It's not because you are crying before God that there is forgiveness, and we want to explain that very clearly how it is not attached to something that is emotional. So bamba ou exactement nan quelques points qui sa forgiveness pas. Premièrement, forgiveness is not forget it all. Le pardon, c'est pas oublier. Guys. Well, there you go. Forgiveness is not forgetting. God does not suffer from amnesia. He doesn't just forget about our sins. He remembers very clearly. Yes. But it's not a remembering to condemn us. Non, mais bien, comme dame traduit ça, parce qu'il se dit, hein, parce que nous dit forgiveness, c'est pas un bagage qui brille. Bon Dieu pas gagné une maladie qui est amnésie quand vous l'oubliez bagaille. Non 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 non. Bon Dieu songe tout bagaille. Lui décide lui-même pour juste oublier péché, yo pas oublier dans nos lèvres, lui just lui-même personnellement. C'est le message. Mais c'est pas oublier, l'oublier. So number one, forgiveness c'est pas oublier, oublier. Deuxièmement, forgiveness lui pas éliminer conséquences. So oh, absolutely not. Forgiveness, and this is important, forgiveness does not eliminate your consequences, whatever those consequences may be. Yes. Even when we are forgiven by Christ, amen, we may still suffer the natural consequences of our sin. Absolutely. Ça n'est important pile, gen bagay ou fait dans la vie, hein? Bon Dieu pardonne, même l'autre monde ka pardonne, mais conséquences là, ou a payer quand même. Mais moi-même, moi, we may still, parce que, par grâce bon Dieu, ou qu'a peut-être get over it, en même temps tout, ou capable payer. Pour que ça me dise ça, parce que, moi-même avec vous, on a parlé avec toute honnêteté, non, qui va gagner pour faire, thank God, thank God, thank God again. Parce que si va ça, nous tap all in the open. Thank God for grace. Mais pas oublier ou qu'a payé conséquences péché à hostile pardonné. That's right. Yes. We are forgiven by God. Yes. That's an absolute. However, we are living on planet Earth. Yes. Which has its own natural laws. Yes. Right? So if a person, for example, commits murder and is caught, and you happen to be a Christian, and you go to God because you know that there is no sin that is above grace. Grace is above all and any sins that any one of us can commit. Absolutely. However, murder is murder. Killing someone is killing someone. If you are caught, the natural consequences you of the law jail. Will be one of prison. Absolutely. You will be in prison. Yes. So, troisième bagage, forgiveness pas. Forgiveness pas un feeling. On a parlé ça au commencement. Ok? Si on commitment ou vraiment décider pour pardonner monde qui fait ça qui mal là, c'est pas un feeling. Yes. Yes, car un feeling là-dedans. Yes. Mais pas un feeling forgiveness. Yes, yes, yes. Forgiveness is not a feeling, and we mentioned it earlier. It is a commitment. It is a commitment. So in that word, you are seeing your cognitive functioning is involved in the decision to forgive. Yes. So it is a commitment to pardon the offender. Feelings may or may not accompany the decision to forgive. Okay, so feeling of bitterness against a person may fade with time without any forgiveness being extended. So this is en créole. Feeling qu'on gagne, bitterness, anger qu'on gagne contre mon nom, li capable disparaître sans qu'on pas oublier ou pas pardonner mon. That's right. So feelings of bitterness. Et ça que feeling pas forgiveness parce que au cas faire mon bagarre à bon nombre de temps. Feeling anger à descendre, même s'il pas forgive. That's ça fait forgiveness, pas un feeling là. That's right.
And that's why we said that it's not about feeling. Yes. Because someone can do something that's absolutely horrendous mm-hmm. to you. Mm-hmm. And there's anger and there's bitterness. And over time, yes. those intense feelings become subdued. Yes. Those intense feelings diminish. But yet still, that person has not forgiven. No. Et quatrièmement, nous allons finir et cinq parties qui gagnent. Quatrièmement, forgiveness, c'est pas selfishness. C'est pas la gueule. Ou dire que c'est ma pardonne un tel parce que la beau pour moi. Yes, it's true. Résultat beau pour vous. Mais c'est pas objectif forgiveness. And fourthly, forgiveness is not selfish. Mm-hmm. So it's not about yourself. And mm-hmm. we're going to clarify that. Mm-hmm. We do not seek to forgive for our own sakes mm-hmm. or to relieve ourselves no. from stress, although that happens. Yes. Although yes. that is a result of forgiveness. Amen. We forgive out of the love Amen. Of God. Amen. So you and I, we benefit from doing so. We benefit. But that's not the primary yes. focus or reason for forgiving. Okay. Dernier partie qui est vraiment important, forgiveness va dire automatiquement ou restaurer tous la carrière. Mais quand vous me dites que vous pardonnez-moi pour qu'ils ne soient pas dans les mêmes gens encore, forgiveness c'est pas automatiquement pour restaurer confiance la carrière. La Bible n'a pas aucune raison, ok, si vous faites des choses qui mal, ou pardonnez-moi et vous obligez connectez-vous à les mêmes gens. Absolument pas. Forgiveness is not the automatic mm-hmm. restoration of trust. Scripture gives us many reasons to distrust mm-hmm. those who have proved themselves untrustworthy. Exactly. So, mm-hmm. Mm-hmm. yes, you may forgive a person. Yes. The person is forgiven, but the trust mm-hmm. that was there before, the betrayal, mm-hmm. whatever it is that took place, is not automatically restored. So, Pastor Eddie, nous sommes montrés qui ça forgiveness payé. Pablo nous a dit qu'il y a une connexion entre repentance et forgiveness. Yes. Parce que c'est ça que nous étudions le son yo avec une séquence qui est vraiment important. Yeah. Mm-hmm. We do study various topics with purpose, mm-hmm. okay, because we want there to be a flow. Yes. Okay, so we did talk about repentance mm-hmm. Last week, mm-hmm. and now we're talking about forgiveness. Mm-hmm. So repentance is what? Repentance, normalement, nous tous nous connaissons, mais tu utilises déjà, c'est un changement mind toward God, ou attitude qu'on gagne, ou changer toward God, qui connecté avec un saving faith en Jésus-Christ. Repentance is literally mm-hmm. a change in one's attitude, a change in one's mind. Mm-hmm. So the mindset Amen. Is there again mm-hmm. about God mm-hmm. and accompanies the saving faith of Christ Jesus. Okay, therefore, si gagne repentance, Pasteur a dit, nécessairement, pas pour recevoir forgiveness. Parce que, en tant qu'humain, ou qu'on est leur vini, turn around to the Holy God, yes. you will see yourself, no. I need to ask God for cleanse me because as holy he is and I'm in his presence, yes, therefore, mm-hmm. repentance is always necessary mm-hmm. to receive forgiveness because without repentance, there can be no forgiveness. Si pa gen repentance, pa ka gen forgiveness. Nou ta men faut comprendre le son a. Repentance li découle d'un résultat li découle forgiveness. Yes. Mm-hmm. So repentance comes first. That changing of the attitude, the changing of the mind towards God, right? Not towards self. Mm-hmm. Is it requires that you do the first step yes. so that you can get the second step Amen. Which is the forgiveness Amen. Part. Jésus même dit ça lui-même dans Luc 13, 3. Mais ça lui dit, moi dis non, unless que nous repentis, ou a perdu. In Luke 13, mm-hmm. verse 3, Jesus says, I tell you, unless you repent, you will all perish. Absolutely. So, frère Samuel,
nous te sommes dit qui sa forgiveness taillé, nous sommes connectés avec vous, repentance et forgiveness, nous sommes montrés importance ou de repentir pour jeune forgiveness, qu'on y a qui sa forgiveness. All right, so we just looked at what repentance is. We looked at forgiveness. What is not? What it's not. Mm-hmm. All right, so now we're going to talk about God's forgiveness. What is God's forgiveness? Ça, c'est question ça l'a posé. Qui ça, le pardon de Dieu? Frère, monsieur, mieux, bon Dieu Tout-Puissant, il parle de nous dans grâce. À mon qui repentit, mon qui change, Mario, et qui believe dans le travail Jésus-Christ est fait pour réconcilier yo-même avec lui-même. Ça veut nous bien comprendre ça. Bon, moi dis encore, mais ça le pardon de Dieu. Bon Dieu Tout-Puissant, dans grâce li, à moun qui repentit, qui believe dans Jésus-Christ, believe travail Jésus-Christ fait, eh bien, li réconcilier li avec nous. Praise God. What is God's forgiveness? Mm-hmm. God Almighty pardons graciously. Gracious. Those who repent, who change their mind mm-hmm. towards Him, amen. And believe in the finished work of Jesus Christ, mm-hmm. so that they can now be reconciled to Him, reconciled to God. Then il faut comprendre, sans forgiveness of God, ou pas capable connecter à Dieu. So that's clear, right? Without forgiveness from God, you can't connect to God. Et seule façon qu'à connecter avec mon Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. And the way, the only way mm-hmm. to connect to God is through Jesus Christ. Parce que si vous connaissez WTMG. Yes, we are. WTMG, World Teaching Ministry of Jesus, nous toujours aimons aller dans la racine, moyo. Nous toujours aimons connaître, ok, nos belles définitions, mais nous aimons aller dans la source côté word, yo, t'es vraiment commencé. We go because we are WTMG, mm-hmm. because we are World Teaching Ministry of Jesus. We go to the original. So we like to go to some keywords, yes. and here we are, we're about to do the same here. So, more forgiveness, là, pardon, hein, living in du grec, afiemi, qui veut dire, let go, give up, pas qu'aimer longtemps. Son forme de release, quitter ça, c'est ça, forgiveness veut dire en grec. So let's go into the Greek. Mm-hmm. The Greek word for forgiveness is aphiemi. That's aphiemi. Please look it up yourself. Mm-hmm. And it means to let go. Yes. It means to give up. It means to keep no longer. Yes. It's a release. Amen. It's Amen. A dismissal of Amen. Something. Parce que dit d'ailleurs, petit copain dans ça. Parfois, bon Dieu pardonne le monde et mon âme lui a pardonné d'elle. Know how important this is. God forgives us because He tells us, mm-hmm. you come, you repent, you change your mind towards me through Christ, I forgive you. Yes. And yet, sometimes we do not forgive ourselves, which is important as well. Do you remember, Pastor, it's in the beginning of salvation? Mm-hmm. Par quelle salvation a gagné la release? Yes, it does. Release ça, c'est release au même tout. Woo! Do you remember when we were talking about salvation? Yes. And if you haven't looked at that one, mm-hmm. you definitely want to go back and check us out on YouTube, WTMJ Get Understanding, and you will see it. Please watch and mm-hmm. listen and learn. In the package of salvation, release is part of the package. Yes. And that release Hallelujah. Is a self. It's that. Yes. So, si vous vraiment believe Jesus Christ took all your sin on Calvary Christ, on Calvary cross, why not trust in His work and knowing that you have been forgiven? Si que vous acceptez sa bon Dieu fait pour à travers Jésus-Christ sous la croix. Pour qui ça que
ou pas accepter tout. Le pardon. Tout le pardon et tout le travail que Jésus déjà fait pour vous. Il déjà fait pour vous. Oh my Jesus Christ. We have all. Amen. We, yes, Pastor Pierre, we have got to get to the point, to the part where we fully accept all that Jesus has already done for us. Because we're the beneficiary of all that he's already done. Pastor Eddie, nous gagnons un paquet de monde, malheureusement, yo connaît verset yo. Yo ka kon verset yo, mais yo pa liv verset yo. Oh yes. So we're talking about a number of people, brothers, sisters, who know scripture. They know the verses, have memorized the verses, but unfortunately are not living the verses, living the word of God. Pendant que la période ça n'a répondu une question que m'était posée l'un des fini émission dernièrement, un chrétien, Bible a dit que Jésus-Christ pardonne tout péché nous yo, passé, présent et futur. Yes. So in answering the trivia question from last week, we know that God has forgiven all of our sins. That includes your past sins. It includes the sins of today. And it includes the sins that you and I will commit in the future. So, dans le cas ça, nous dit, ok, si mon Dieu pardonne tout péché, non? Why? Pour qui ça? Bon Dieu mande nous, pour nous, mande pardon les nos péchés. So, therefore, already knowing, Pastor Pierre, that God has forgiven us completely, right, of all of our sins, then why do we need to ask for forgiveness? Here we go. Bon, maga yore les positions positionnelles. À la croix, bon Dieu pardonne tout péché yo. Positionnellement, li positionné ça na ou même, li couvri yo, li nettoyé yo. C'est ça que fait l'idée ou chita la droite, papa. So yes, à la croix, tout péché yo pardonné. So at the cross, all of our sins were indeed forgiven. And there is such a thing as position, right? What is our position? Well, our position is such that we know that all of our sins were not just covered, but washed away. At the cross. We're positioned in knowing that. Yes. Suivez-moi, frère, monsieur. This is very important. Ça fait, nous prenons temps, non, pour nous répondre à la question, ça, parce que nous connaissons pile contradiction dans la question, ça. Yeah, there are lots of contradiction, just a lack of clarity when it comes to what we are talking about right now. So do pay attention. Grande différence entre relationship and fellowship. There is a difference between relationship and fellowship. Là où on a accepté Jésus-Christ as Savior and Lord, you become a child of God. Là que nous on a accepté Jésus-Christ ou vini petit bon Dieu. When someone accepts Jesus. Yes. As personal Lord and Savior, amen. You instantly become a child of God, a son or a daughter of God, the Most High God. Ça n'a pas ce qu'il dit, ça c'est relation avec mon Dieu. So, that is your relationship now, right? Tenez bien, oui. Bon Dieu, c'est papa ou c'est petit-lui. Father, son, or father, daughter, because of what you have done, which is just to believe. Believe. Amen. Just to believe. Amen. He's not asking you for a whole bunch of prerequisites. No. So don't let anyone fool you with that. Amen. Or misguide you with that. Amen. God asks that solely you believe. Yes. So once you believe, you are now positionally his daughter or his son. You are the child of God. Now, living on earth, daily, you will do something wrong. By the way, péché, c'est pas faire bagaille qui mal. Péché, sometimes, c'est pas faire ça qui bien.
So I'm gonna talk about that last one, mm-hmm. because we think of sinning being, or we do things that are wrong. Mm-hmm. But sinning also involves absolutely not doing mm-hmm. good things, not doing the mm-hmm. good things that mm-hmm. you used to do. Maybe you used to bring a cup of coffee and a bagel for me mm-hmm. each time you come by to see me. Mm-hmm. And for some reason, you just stopped. It's something good that you used to do. Yes. That you no longer do, which causes me some sadness. Yes. And that is sin. And that is sin. Just tout le monde qui s'a péché. So, femme sœur mieux. L'offre bagay qui mal, what happened between you and God? The fellowship is broken, not the relationship. So, ça qui séparation qui fait là, c'est dans fellowship là. C'est pas dans relation. Hein. Parce que, on dit ça en anglais. So, mm-hmm. what is broken when sin takes place is not the relationship that cannot be broken. Man. What is broken is the fellowship on your part, on my part. Yes. Because now I feel bad. Yes. God, I've turned my mind, turned my attitude, my mentality is such that Amen. I ask for forgiveness Amen. And knowing. Amen. I ask knowing that I am forgiven because his word says so. Amen. Amen. But then I am still feeling, oh gosh. Here we go. I didn't release. Mm-hmm. I didn't release. Mm-hmm. So mm-hmm. the fellowship is broken, but my relationship, my position in Christ does not change. God remains my Father. Amen. 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 Bon, prouvez ça clairement avec nous. Nous avons un exemple de prodigal son. Li allé. Et Bible dit non, les li retourné, papa well de loin a tourné. Ça veut dire papa était toujours à look forward pour petit li retourné back. Oh yes. So in looking at the story of the prodigal son, mm-hmm. we see that the son had left, right? Mm-hmm. He wanted his inheritance. Mm-hmm. He wanted to go in the world and experience the world. Mm-hmm. Okay. He got his inheritance. He went. He left. Mm-hmm. He was gone. Mm-hmm. And we see as he is returning, the father Amen. Was Amen. Looking. He was waiting and looking for his son to return. Quelque chose mon cap tendez me la première. Dame clair avec vous. Because of sacrifice. Sur la croix, quel que soit monde qui believe, va recevoir le pardon. Forgiveness is for anyone. It's for everyone who accepts the finished work of Jesus Amen. On the cross at Calvary. Amen. Because of Christ's sacrifice on the cross on our behalf, whosoever Amen. Believes will receive God's forgiveness. Mais ça, Bible a dit, nous tous cap tendem là, quel que soit mon hier, nous tous péchés. Nous tous péchés. Bible a dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 10. Si vous créez vous par les péchés, on va peut-être vous mentir. La vérité n'est pas dans vous-même. Mais si vous confessez les péchés, les mêmes qui fait foule, les mêmes qui est juste, la pardonne les péchés, la purifie de toute bagarre qu'on fait qui vous en. Mais si vous créez vous par les péchés, ou faire devenir menti. Et guess what? La vérité pas dans nous-même. Parole là pas nous. That's right. Whoever you are, we've all sinned. That's the bottom line. We have all sinned. There is not one who is righteous. Not one.
And in 1 John 1, verses 8 to 10, we read this. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. So, si Bible a dit, si nous disons pas péché, nous c'est menteur. So, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Imagine that. If we say that we don't sin, and c'est menteur. Ça veut dire que nous tous péché. So, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? C'est pas nous prendre parole de Dieu dans le contexte. Parce que femme semio gagne provision pour péché. Yes, provision has been made. Thank you, Lord. Amen. Provision has been made for us when we sin, which is a given. You're not walking on this earth perfect. You are not walking on this earth righteous on your own strength. There is none. Et dame fait nous comprendre très clairement, frère, capitaine de moi, soeur, capitaine de moi, ami, capitaine de moi. N'a parlé de forgiveness, nous pas dit à le péché, that's not true. Parce que yon chrétien, pas vivre dans le péché, mais un chrétien a tombé dans le péché. So that's a truly very important point, Pastor Pierre, because sometimes we hear people say and people ask these questions, well, then are you saying that you can do whatever you want? You can sin all you want? Absolutely not. No way. On the contrary, we want to live a life that pleasing to our Father. Amen. Yes, which will be pleasing to our Father. So no. Confession is an honest declaration, admitting our sin. C'est sa confession, yé. Moi, honnête à papa, moi, et moi, reconnaître que moi, péché. Confession, pas qu'il y ait un rapport à l'écoute tout le monde descend pour confesser péché. Frère, c'est mieux confesser péché à bon Dieu qui c'est lui-même qui t'a pardonné. We have direct access to God. And we do not need a middle person, Hallelujah. A middle man, a yes. middle woman. Amen. You have direct access. Amen. So you go directly to your Father. Amen. And you honestly talk to him about what you've done that you know is wrong. Let me explain how to go to the Lord. Because good God pardonner péché nous seulement dans base pénalité qui c'est la mort. Parce que Dieu, le salaire du péché c'est la mort. C'est que frère, c'est un groupe pénalité qui vous paye. Thank God, Jesus paid all. Yes, thank God, he paid it all. Amen. He did it all at the cross. Yes. So, we are going to tell you what it is written in Romans 6, verse 23. God forgives sin only on the basics of the penalty for sin, which is death. And that penalty must be paid. Ok, Romains 3, 6, verset 23, on peut dire, c'est une sorte de paraphrase, ça veut dire, le salaire du péché, c'est la mort. So, ça veut dire que son péché, ou lui est mort. Bon, ce qu'on va mourir, yes. Thank God. The wages of sin is death. Yes. So, and we know that death is separation from God. Yes. So, we're supposed to die, right? Yes. But someone more than 2,000 years ago, li gon plas non a la croix. But, and you know what that but is. But Christ. Amen. But Christ, because of what Jesus Woo. Did for us all those years ago, over 2,000 years ago Amen. At the cross. Amen. He saved us. He yes. redeemed us. Femme Semio, essayez de comprendre raison
qui fait dans l'Ancien Testament, tu as gagné un sacrifice qui t'a fait. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. In the Old Testament, God allowed for the sacrifices of animals to take the place of the sinner. Here we go. To take the place of the sinner. Et autant le livre Hébreu a, il fait observation. Mais ça le dit dans Hébreu 9, verset 22. Il dit, according to la loi, tout bagage doit être clean avec sang. Et sans sang, pas gagner pardon. Yes. The writer of Hebrews observes this. The law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. You can find this in Hebrews 9, verse 22. So, frère Samuel, forgiveness, c'est pas aller ou faire un bagay, m'bral l'église, m'bral et payer en plus corps. Non. C'est encore bon Dieu et reconnaître sacrifice pour péché à te get en fait et que you are under the blood. So when we sin, we're not looking to increase the number of times we go to church that week. Mm-hmm. We're not looking to increase and fast for the next 14 days. Because you see, if that's the approach that you take, it's all about you. Amen. It's Amen. You're centering all on you. You're being self-centered. Yes. No, it is to simply, honestly go to God our Father. Amen. Who Hallelujah. We, because the veil has been ripped, we can go directly Hallelujah. To Him. Ça se paraît extraordinaire parce que c'est ahead of that que nous devons parler peut-être la prochaine fois. But yes, frère Samuel, sacrifice ça t'est fait. Pour être capable, non pas couvrir péché non, mais pour te laver péché non. That's right. The sins, our sins are not just covered. Our sins are washed away. Washed away. C'est ça que fait. Sans animaux, yo, tu vas vraiment payer péché. Tu te couvres péché. Pour son deep study, et ça faut qu'on voit relation pour Dieu dans l'Ancien Testament, à Nouveau Testament, il y a une transformation qui est faite. Parce que ça, c'est étude. Vous avez une différence entre couvrir un bagage et nettoyer un bagage. C'est comme un bagage qui te postpone. C'est un jugement qui te postpone jusqu'à ce que monde le. Aïe, aïe, aïe. Coucou, Jean-Baptiste dit, hear the Lamb of God who come to take away the sin of the world. C'est un lèche Jésus vini. Vous ne connaissez pas le temps, puis le bagage, parce que. Et dit avec ses paraphrases en dit dans le contexte que les comprennent. Jesus Christ, Jésus-Christ, lui c'est l'agneau de Dieu qui finit laver tout péché. So ça, juif que t'as fait dans l'Ancien Testament qui t'a couvert péché. Le sang de Jésus-Christ lui lave les péchés pour l'éternité. The Lamb of God came and did not cover our sins. He washed Amen. Away our sins. Yes. And that is what the Old Testament Hebrew people were doing. They were covering sins. Yes. Not washed away, simply covering. Yes. So the blood of sacrificial animals did not actually pay for sin. At all. It simply postponed the judgment until a better sacrifice could be offered to pay the full penalty of sin and make forgiveness possible. Et nous joignons en Jésus-Christ. And yes, we found that forgiveness. Woo! Alléluia, alléluia. Nous te posons merci pour grâce, nous te merci pour Dieu, merci pour ça les faire pour nous. Parce que frère Samuel, nous allons nous comprendre l'importance ça. Parce que dans l'Ancien Testament, t'en es bien, oui? T'en es bien, frère Samuel.
dans le Saint-Testament, ou doit approcher, côté bon Dieu, par un acte de sacrifice dans le Nouveau Testament, ou approcher de Dieu par un acte de sacrifice qui fait déjà. Non, vous me dire. Dans l'Ancien Testament, ou approcher de Dieu par un acte de sacrifice que vous prenez en fait. Dans le Nouveau Testament, ou approcher de Dieu par un acte de sacrifice qui t'est fait. In the Old Testament. But I'm excited about this thing. Because my friend, you need to be excited about the truth. Amen. Yes. Ooh. In the Old Testament, believers had to approach God through the priests. Mm-hmm. Mm-hmm. And after the death of Jesus Christ, mm-hmm. in the New Testament, that is no longer necessary. Et comme vous dites, il y a un passage qui dit, dans l'Ancien Testament, ou approcher de Dieu par une action qu'on prend fait. Old Testament. So you are approaching God for an action, with an action that you are going to perform, going to do. And in the New Testament, ou approcher bon Dieu par une action qui t'est faite. In the New Testament, we approach God with an action that has already been done, already happened. So, Mr. Believe en Jésus Christ, Femme Samuel, you know what I'm toujours aimé dit. Do you know when I know you truly believe what Christ has done for you at the cross? When you sin and the way you act, prove to me you really believe what Christ has done for you. Pour qu'on qui l'a que nous vraiment connaît, que vous comprenez, mm-hmm. c'est le que ou péché. Action pour les gens agir ou leur péché. C'est connaître. Compréhension. Amen. Le savon Dieu déjà fait pour. Non. This is something we need to really pose on it, Pastor Eddie. Parce que quand vous avez parlé, mais action yo pas démontré ça y a dit. I believe Jesus Christ died on the cross for my sins. Prove it to me. The only way you can prove that to me is when you do something wrong and you stand on that and you look at the cross. You say, my sin has been paid at the cross. Then and only then you prove to me you believe what Christ has done for you on the cross. Samuel, le que ou péché et reconnaître qu'au péché, le que ou cap dit, moi connais que péché. Amen. Et moi reconnais. Amen. Ça, mon Dieu, ça, Jésus déjà fait pour moi. Sous voie calvaire. Et ou pas condamné tête. Et ou pas accepté yon l'autre monde condamné. Et ou pas accepté condamnation qui sorti de Satan. Ouais. C'est le ça. Nous connaît que vous-même, pour comprendre Amen. Et pour accepter Amen. Complètement ça, Jésus déjà fait pour vous. Amen. Femme Samuel, we are a little excited here today. Parce que, des paroles, t'as parlé dans la rue, à l'île, comme Paul dit, pour nous close mouth, moun kap di bagay ki pa sa. It's time that we act on what we know Amen. The scripture tells us. Amen. It's time that we don't listen to what they, you know they, whoever they are saying, and we listen to what God says to us and do what he says to us. Amen. At the cross, Jésus t'a fait une déclaration. One word. Tetelestai. At the cross, Jesus said the word tetelestai. Tetelestai. What's that? Nous traduisons, it is finished. And that is what we translate to tout est accompli. It is finished. Tout est accompli. My brothers and sisters, either Jésus-Christ a accompli tout le bagaille, ou bien il n'a pas accompli tout le bagaille, il a besoin d'aide pour finir accompli tout le bagaille. So either Jesus really, truly did it all, all the works. He accomplished it all, or he didn't, and he still needs your help. So, si n'a pas de forgiveness based only
on what Christ and only on what Christ has done. Forgiveness is only connected to what Jesus has done. That's it. There's nothing else. Mm-hmm. Jesus alone. Amen. That is what forgiveness is tied to. That's in English, I'm sorry. Forgiveness li connecté focus seulement dans ça Jésus fait et ça Jésus fait seulement. Ça Jésus fait et ça Jésus fait seulement. Pas mon exemple parce que je dis avant nous close. Où songez exemple dans Numbers côté que ce pario t'a piqué mon yo. Et puis bon Dieu dit Moïse pour lui faire un serpent de rien et pour lui un tap of the mountain. In Numbers, mm-hmm. we have the story of the serpents mm-hmm. that were biting mm-hmm. the people mm-hmm. and killing them. Yeah, and mm-hmm. killing them. Mm-hmm. And Moses was told by God to do a bronze serpent yes. and to put it up. And then, bon Dieu dit Moïse, à chaque fois un serpent pique le monde, mon a seulement levé les yeux, les garder serpent de rien et les dire. And the story goes that each time anybody is bitten yes. by the serpent, mm-hmm. all they have to do is look up Amen. At the bronze serpent Amen. That was erected. Et c'est exemple ça, Pasteur Eddie, qui connecté avec Jean 3:16. And it is that story that is connected to John 3:16. Lydie, même Jean, Moïse s'est levé serpent dans le désert là. C'est même Jean tout, le Fils de Dieu, lui va lever. Qui croit dans lui, pas perdu. The same way that Moses yes. erected the serpent is the same way the Son of God Hallelujah. Will finish that. Même Jean pour Dieu. Yes. Même Jean Moïse. T'es levé serpent dans le désert là, c'est même Jean, le Fils de Dieu. The Son of God. L'idée pour lifted up. Will be lifted up. Et quel que soit monde qui believe dans lui-même, qui look at it, monde s'absorbe. And whosoever believes in him will Amen. Be saved. That is what John 3:16 says. Mes frères et sœurs, nous allons fermer l'émission là. La continuer, forgiveness là, dans la prochaine émission. Nous sommes fort qu'on est. Believing in what Christ has done will release you from condemnation. Believing in what Christ has done will give you peace with God. It is not up to you, it's up to Christ and Christ alone. Lò kwè nan sa Jésus fè pou ou. Amen. Li release ou. Li bò la paix. C'est ça Pasteur Pierre dit nou. Et nous supposons compte ça, nous supposons kembe ça, nous supposons travailler, méditer sur mon ça. Amen. Il fait tout bagay pour nous, déjà. Amen. Déjà fait, accepté. L'heure arrivé, il faut nous aller. Nous avons pile bagay pour nous dire, mais nous prenons. Mais nous voulons quitter avec vos questions. Comment faisons-nous gagner accès devant le trône de Dieu? You holy, holy God. A sinful person as me, dirty, and then we can present him devant the holy of holy. Ça que m'accès ça? Ça c'est question pour prochaine fois. So trivia question, because we're gonna wrap mm-hmm. up the video. Trivia question: what is it that gives you access mm-hmm. to God? God, the holy God, three times holy. Amen. What is it that allows you, sinful man, yes. access to the holy God. Hallelujah. Frère Samuel, merci en pile est-ce que vous t'es branché ou t'attendez nous en nous fermant pour la prière. Papa chéri, nous disons merci pour grâce. Merci pour amour. Merci pour le pardon que nous jouons en Jésus-Christ. Dear Daniel Evan, it is all about your son, Jesus Christ, and him alone. C'est dans lui-même nous jouons le pardon. C'est dans lui-même nous jouons la paix. Et c'est dans lui-même que Dieu m'a toujours fixé. Pour nous capables toujours gagner la joie de ça, le nom. We thank you, Lord. We praise you in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Bon Dieu bénis-nous.
N'abwe next time. Amen. So, next week, stay tuned, come back. God bless you. Amen.